G20, nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir une grande dame d'imagerie médicale, Madame le professeur Wali Idrissi Merim, que nous remercions beaucoup d'accepter notre invitation et qui va nous traiter un sujet d'actualité intitulé l'échographie thoracique. Et ce sera en 45 minutes, Inch'Allah. Je laisse la parole à Madame le professeur. Merci, Dr Boulem, honorable assistance, chers amis et collègues. Donc, l'honneur est pour moi. Donc, ça me fait plaisir de retrouver mes amis et mes collègues. Donc, on va commencer par un thème qu'on va dire d'actualité depuis quelques années. C'est l'échographie thoracique. C'est vrai que on disait durant longtemps que on ne peut pas faire l'échographie, au niveau du thorax parce que l'air, il gênait la réalisation de cette entité. Mais depuis une quinzaine d'années, approximativement, il y a un intérêt qui est croissant. Donc l'utilité de cette technique, elle est très différente. Donc il y a pas mal de situations cliniques. Le faisceau ultrasonore devrait précéder normalement et actuellement toute procédure pleurale pour limiter le risque de complications et d'améliorer le pronostic des patients. Et d'où l'intérêt d'une formation ciblée visant à exploiter au mieux cet outil diagnostique. Donc, quels sont les avantages de l'échographie thoracique ? Donc, tout d'abord, c'est un examen qui est non invasif. Donc, si on veut le comparer, par exemple, à d'autres examens, il est facile. Donc, vous allez voir quand c'est facile à réaliser. S'il vous plaît, si vous pouvez juste la lumière, voilà. On aurait de la lumière comme ça pour les images par la suite. «
Merci. Je pense que c'est un examen qui est non invasif, facile à réaliser. On a un gain de temps pour le patient et pour le clinicien. Donc, si on va dire que c'est une continuité de l'examen clinique, et au lieu d'envoyer le patient à faire, par exemple, une radiographie standard ou un autre examen, on peut, par cette échographie, déjà avoir donc une idée. Et ça, c'est très important, parce qu'on peut perdre des patients, d'accord, donc chez qui on doit faire, par exemple, des ponctions évacuatrices. Donc ça va améliorer le confort et ça va diminuer le coût et l'irradiation. Donc si on compare à la radiographie standard, tout en sachant que la radiographie standard est là sa place, donc on n'est pas en train de comparer deux moyens d'exploration, chaque moyen d'exploration a sa place. Donc quels sont les principes de l'échographie thoracique ? Le thorax, il contient quoi sur le plan anatomique ? Il contient de l'air et de l'eau. Donc air et eau en contact étroit. Et bien sûr, le fait d'avoir de l'eau au contact de l'air, on aura des artefacts. Et c'est une technique qui va être basée sur ces artefacts. Donc on va analyser ces artefacts. Importance de la position de réalisation de l'examen, ça c'est très important. Par exemple, on veut chercher un épanchement, il y a la déclivité, donc on va faire un examen, par exemple, en position assise. C'est vrai qu'on aura des difficultés pour les patients qui sont alités, pour les patients de réanimation, parce que c'est une technique qui est utilisée de façon trop, trop importante et trop croissante en milieu de réanimation. D'ailleurs, les meilleurs échographistes pulmonaires, ce sont les réanimateurs, parce qu'ils font ça presque tous les jours. Pour les pathologies culminantes, par exemple le pneumothorax, également c'est la déclivité. Et il y a un élément qui est très, 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 très important, c'est de comprendre la sémiologie pulmonaire. Et cette sémiologie, elle va de la ligne pleurale, c'est-à-dire à partir de la plèvre. Donc, on a parlé des artefacts qui vont être générés lors de cette réalisation. Et ces artefacts, on va les voir par la suite. Ils sont très importants parce qu'on va dire qu'on ne peut pas faire l'échographie thoracique parce qu'il y aura des artefacts. Non, vous allez voir pourquoi. La position, elle est très importante. Et par la suite, il y a l'exploration dynamique. Et également, cette exploration dynamique, elle est basée sur l'étude d'artefacts qui sont systématisés et des structures donc réelles comme le diaphragme. Alors, le matériel d'échographie, on peut utiliser donc tout matériel échographique, d'accord. C'est-à-dire, donc, si vous avez dans votre cabinet, si vous avez des machines, enfin les machines qu'on a l'habitude de voir, d'accord. Et là, je tiens à remercier Monsieur Samir Saliba et la société Vital Scan qui nous a accompagnés de façon amicale et il s'est déplacé de Casablanca. Il est venu hier pour nous faire la démo live. On peut faire cet examen par les sondes qui existent actuellement, sans fil et qui sont connectées au Wi-Fi et ils sont connectés aux Android, à l'iPad et aux ordinateurs. Et ça, vraiment, c'est un outil qui est très, très important. Parce que vous allez voir que ces machines d'échographie qui existent, ils ne vont pas remplacer ces machines qui existaient, mais c'est un outil qui est très important pour faire vite et pour faire des examens au lit du patient. Et donc, concernant les sondes qu'on va utiliser, il y a la sonde superficielle, il y a la sonde convexe. Et concernant les modes, pour les gens qui font l'échographie, il y a deux modes. Il y a le mode B, c'est en temps réel, c'est-à-dire on va explorer essentiellement les anomalies paritales qu'on va voir, on va chercher les pleurésies. On va chercher chaque modification morphologique, que ce soit la paroi, que ce soit le poumon, que ce soit la plèvre. Ça, c'est le mode B. Et on a le mode TM qui est très, 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 très intéressant et qui a été méconnu depuis longtemps. C'est le temps mouvement. Et vous savez, au niveau du thorax, on a le mouvement, il y a la respiration, il y a l'air, il y a le glissement de la plèvre. Et ça, c'est très important. Une plèvre qui ne glisse pas, c'est pathologique. C'est un pneumothorax ou une autre pathologie quelconque. Donc, le temps mouvement, on va
pas le voir et je vais vous montrer, il est très important. Donc, c'est quoi ce temps, le mode TM ou le temps mouvement? C'est la visualisation du mouvement d'une structure. Et la structure qu'on a envie de voir au niveau de cette exploration, on a envie de voir son mouvement et sa mobilisation, c'est la plèvre. Et c'est un mode qui est très intéressant pour chercher le pneumothorax et pour explorer le diaphragme, parce que le diaphragme, ça bouge avec la respiration, d'accord, dans les paralysies diaphragmatiques. S'il n'y a pas ce mouvement, donc il y a une pathologie. Et bien sûr, on va utiliser le Doppler couleur pour analyser donc les structures et les lésions tissulaires. La dernière fois, j'ai eu un patient qui a été biopsié, et au fait, il fallait juste faire un échographe, et c'était une échographie, c'était une lésion, ce n'était même pas une lésion pulmonaire, c'était une volumineuse lésion médiacino-pulmonaire, et c'était un angiome avec des lacis veineux. Il fallait juste faire une étude échographie, on va voir la vascularisation. Donc, le Doppler, il est très important dans certaines situations. Donc, il faut toujours avoir cette entité d'apport et de limite en tête. Alors, la technique, en général, le patient, il est en position dorsale, décubitus dorsal. On va définir des territoires. Ça, c'est très important. Lorsqu'on veut faire une exploration échographique, c'est des guidelines. Position allongée, des territoires bien définis qu'on va explorer. On va, de façon, on va dire, virtuelle, on va tracer des lignes. Il y a la ligne axillaire qui va séparer la paroi antérieure, la paroi latérale et la paroi postérieure. Donc, chaque région, elle peut être divisée en cadrans. Bon, là, c'est juste pour vous montrer. Là, c'est un résident au service. On l'a pris comme un patient. Donc, c'est juste pour vous montrer la position du patient en décubitus donc dorsal. Et bien sûr, donc si le patient il n'arrive pas à s'allonger, il est dyspnéique, d'accord, là, on peut faire l'examen en position assise et on va faire des coupes intercostales. On va essayer de passer entre les côtes parce qu'avec les côtes, on aura des artefacts. Et on va faire des coupes axiales et des coupes longes. Donc, de façon académique. Ça, c'est très important. De façon académique, comment on va explorer? On va essayer de tracer une ligne virtuelle qui va passer par le sternum. Et il va séparer le côté droit du côté gauche. Par la suite, on aura une ligne qui est, on va dire, axillaire antérieure et une ligne axillaire postérieure. Comme ça, qu'est-ce qu'on aura comme région? On aura la région antérieure, on aura la région latérale et on aura la région postérieure. Et un élément qui est très important, c'est le côté droit et le côté gauche. Toujours, côté droit, côté gauche. D'accord? Right and left. Côté droit, antérieur, latéral et postérieur. D'accord? Le côté gauche, la même chose. Antérieur, latéral et postérieur. La ligne ou les lignes qui vont nous aider à faire cette répartition ou cette division, c'est la ligne antérieure qui va passer par le sternum, la ligne axillaire antérieure et la ligne axillaire postérieure. Donc, au niveau de la région antérieure, on aura une région 1 et 2, et je vais simplifier, c'est la région antérieure haute et c'est la région antérieure basse. Par la suite, on va passer au niveau de la région latérale. Et au niveau de cette région latérale, on aura une région latérale haute et une région latérale basse. Par la suite, on va passer à la région postérieure. Et là, on aura une partie haute, une partie moyenne et une partie basse. C'est-à-dire, de toute façon, je vais vous montrer en démo live. Là, bon, de toute façon, vous aurez cette présentation parce qu'il y a beaucoup de nuances, c'est-à-dire si on veut chercher la pleurésie, d'accord, c'est la zone 5, c'est les zones 5, c'est normal, avec la déclivité en position assise, on aura du liquide au niveau de cette part. Donc, on ne va jamais chercher la pleurésie au niveau, au niveau de la région haute, d'accord, antérieure ou postérieure. Et si on veut chercher le pneumothorax, c'est la région
antérieure, donc haute, un patient assis à 45 degrés, zone 2 chez un patient en décubitus, donc dorsal, zone 3 en décubitus latéral. Pas mal de fois, donc on était sollicité à faire des échographies en milieu de réanimation pour chercher voilà, des patients pour une pathologie X qui ont été hospitalisés, qui présentent des détresses qui sont voilà, aiguës, juste pour voir est-ce que le patient il présente un pneumothorax, présente un épanchement de grande abondance, donc pour des patients qu'on n'arrivait pas à mobiliser donc, dans l'urgence. Donc, je vais récapituler. Je pense que le schéma, il est facile. Antérieur, haut et bas, latéral, haut et bas, et postérieur, haut, moyen et bas. Donc ça, c'est très important. Ça, vraiment, c'est le premier objectif à avoir en tête. Et là, je vous ai mis chaque niveau, qu'est-ce qu'on va explorer essentiellement. Les coupes, donc qu'est-ce qu'on va chercher, enfin, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va réaliser comme coupe. Il y a les coupes longes, c'est souhaitable. Il faut repérer le diaphragme, ça c'est très important. Ce qui est au-dessous est abdominal, ce qui est au-dessus c'est thoracique, là vraiment c'est pour les débutants. L'image est exclusivement constituée d'artefacts, ça c'est très important. Il faut repérer la ligne pleurale. Donc si vous commencez, d'accord, il y a des objectifs. Le premier objectif, c'est la division, d'accord ? C'est les territoires à explorer, c'est les lignes virtuelles qu'on va les tracer, d'accord, dans nos têtes, et on aura déjà des territoires à explorer. Ça, c'est très important. Par la suite, qu'est-ce que je vais voir, d'accord? Comment je vais procéder? Je vais faire des coupes axiales, des coupes longes. Pourquoi pas commencer par les zones qui sont déclives et repérer le diaphragme pour faire la part entre tout ce qui est abdominal et tout ce qui est thoracique. Avoir en tête cette notion d'artefact, et nous, on va se baser sur ces artefacts pour faire l'analyse. Et l'élément le plus important, c'est de repérer la ligne pleurale. Donc, c'est juste pour vous dire la sémiologie, mais je pense que vous faites tous l'échographie. Donc, tout ce qui est os, il est hyper-échogène avec un condombre. Tout ce qui est eau, c'est liquidien, c'est anéchogène avec un renforcement postérieur. Tout ce qui est hyper-échogène, on aura un condombre qui est impur. Les tissus, normalement, c'est échogène et on va les comparer au muscle et on va les comparer au foie. Donc ça, oui. Donc, on va, voilà, là, on va commencer la sémiologie échographique de base et normale. Là, c'est cette partie, c'est la paroi thoracique. Donc, lorsqu'on parle de paroi thoracique, c'est le derme, c'est le sous-derme, c'est les muscles, c'est la graisse, d'accord, c'est les côtes aussi. Et là, on a une structure qui est linéaire, qui est hyper échogène, qui est fine. Là, c'est la ligne pleurale, d'accord. Et plèvre, air, là, qu'est-ce qu'on a? C'est un effet qui est miroir, d'accord. Donc, il faut avoir cette entité en tête. Paroi thoracique, la ligne pleurale, effet miroir. Quelle est la sémiologie de base et normale, l'aspect normal? Les signes principaux à repérer. Le signe de la ligne pleurale, ça, c'est très important. D'accord? Lorsqu'on va commencer, repérer paroi, la ligne pleurale. Le signe de glissement pleural, le fait de voir la plèvre, elle est en train de se glisser, ça c'est très important. Et par la suite, c'est de repérer les lignes A et on va voir les lignes B également. Et il y a une sémiologie pathologique avec des signes qui ont été décrits, comme les signes le signe de la fractale, le signe de la sinusoïde, fuseau pleural, signe de... Personnellement, j'aimerais bien comprendre la sémiologie fine et on peut donner n'importe quel nom, d'accord. Donc, ce n'est pas l'objectif voilà, d'apprendre des noms propres, ça, ce n'est pas important, mais on va voir par la suite chaque signe, qu'est-ce qu'il signifie. Mais le plus important, c'est la sémiologie de base, d'accord. Donc, si on veut récapituler, paroi, ligne pleurale, effet miroir. Et on a les lignes, on a les lignes A. Vous allez... Qu'est-ce qu'il dit? Répète en même temps. Bah oui, c'est... Non, tu vas... Après, je vais faire des QCM, hein, d'accord. Je vais te noter. Je suis académique, j'aimerais bien que les gens sortent, voilà, avec...
Donc, parce que c'est nouveau, je sais qu'il y a beaucoup de finesse de sémiologie. Et lorsque, par la suite, vous allez lire et vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette ligne A et cette ligne B. Alors, c'est quoi ces lignes A ? Les lignes A, c'est une répétition, regardez ici, c'est une répétition de lignes hyper-écogènes. Ce sont des artefacts. Qu'est-ce qu'ils vont traduire ? C'est un signe basique de normalité constitué de lignes horizontales de répétition d'une distance égale et correspond à l'interface parito-pulmonaire. Parce qu'on a la paroi, on a la ligne pleurale et on a l'air. Et on a une répétition, donc ce sont des artefacts de répétition. Donc, si on n'a pas ces artefacts de répétition, ça veut dire que l'air il est remplacé par une lésion tissulaire. Ça veut dire qu'il y a une masse. Et je vais vous montrer les exemples. Donc, cette normalité, elle est très importante. La ligne pleurale, les lignes A. Donc, c'est juste pour vous montrer. Donc, ça marche. D'habitude, les vidéos... Donc, vous avez vu en temps réel la vidéo, d'accord ? Le glissement et la répétition des lignes A. Ça, c'est un signe qui est tout à fait normal. Voilà, par une sonde convexe ou même par une sonde superficielle, on va faire un faisceau trapézoïde. Alors, les lignes B, donc on a vu les lignes A, les lignes B, c'est un artefact, regardez ici, c'est un artefact en queue de comète qui va naître de la ligne pleurale au niveau de l'extrémité. Il va suivre le glissement pleural et se prolonge son épuisement. Alors, regardez, il va se prolonger son épuisement. On augmente la profondeur, on aura cette ligne B, donc souvent absent chez le sujet sain. Donc le fait de le trouver une ligne, ce n'est pas normal, c'est normal. Si on ne le trouve pas, c'est normal, mais si on trouve beaucoup de lignes, ça veut dire qu'il y a un syndrome interstitiel. D'accord ? Et ça, c'est très important pour les œdèmes, pour les OAP, pour l'œdème cardiogénique. Alors, cet artefact de ligne B, c'est un artefact qui est hyper-écogène, vertical, bien défini. Le début au niveau de la ligne pleurale. Normalement, c'est sa meilleure visibilité, c'est au niveau de la base du poumon. La présence négative, un pneumothorax, le fait de le voir, ça veut dire qu'il n'y a pas de pneumothorax. D'accord ? Le fait de voir une ligne B, on a éliminé un pneumothorax. On a éliminé un pneumothorax. Non, juste chez un patient qui est tout à fait normal. Le fait de voir juste cette ligne B, ça veut dire que la plèvre, elle est là, qu'il n'y a pas d'air et qu'on a des échos. Donc, on élimine un pneumothorax. Il efface les lignes A, traverse tout l'écran comme une fusée et il va se déplacer avec le mouvement respiratoire et parce que c'est un artefact de la plèvre. Bon, c'est juste pour vous montrer, c'est le signe de la fusée, d'accord ? Sonde profonde convexe, regardez ici, d'accord ? Il va effacer les lignes A. Regardez, en sonde superficielle linéaire, on a les lignes A et on a quelques lignes B. Bon, là, je vous ai parlé de parois, ligne pleurale, ligne horizontale, ligne verticale, beaucoup de choses. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils vont nous donner ? Pour les amateurs, ils vont nous donner, le signe, le bad sign, donc le signe de la chauve-souris, d'accord ? Et là, Batman Forever, donc... le film, fallait juste que je mette... Est-ce que quelqu'un, il aime le film de Batman Forever ? Le premier. Alors, qui a chanté dans la bande originale ? Bah oui, voilà. C'est un chanteur, Seal, donc le chanteur black avec une cicatrice, que je l'adore très bien, que je l'aime très bien, il est beau. Et voilà, c'est lui qui a chanté, c'est juste... avec la cicatrice, voilà. Ça, normalement, je le mets, mais la prochaine, là, je vais mettre. Voilà. Je vous conseille d'écouter la chanson, elle est extraordinaire. Donc, le signe de la chauve-souris, là, regardez, le signe de la chauve-souris, c'est quoi ? Voilà, on a la paroi avec cette chauve-souris, on a les lignes horizontales ici, d'accord ? On a les côtes
On a les côtes avec le camp d'Ambre et on a quelques lignes P. Donc, si vous avez ceci, ça veut dire que c'est normal, il n'y a aucune pathologie. Voilà, ligne B, perpendiculaire en fusée, une, c'est suffisante. La ligne A, les lignes A, ils sont horizontales, d'accord. Donc, et par la suite, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher tout ce qui est dynamique, d'accord. Le glissement pleural, c'est un signe majeur de normalité. Le glissement pleural, c'est un signe majeur de normalité. On aura un scintillement visible au niveau de la ligne pleurale, d'accord. Objectivé en mode TM, et qu'est-ce qu'on aura? Le signe du bord de la mer. Avec cils. Avec cils. Voilà, le signe du bord de la mer. Donc, une fois, donc, je vais vous montrer ça. On aura voilà, le signe du bord de mer. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de pathologie au niveau de la plèvre. Donc, le signe majeur de normalité, scintillement au niveau de la ligne pleurale, reflète le mouvement respiratoire crânio-caudal du poumon, visible en mode B et objectivé en mode TM, maximal au niveau des bases et faible au niveau des sommets. Permet de différencier entre une bulle géante d'emphysème et d'un pneumothorax. Parce que le fait d'avoir un pneumothorax, c'est un épanchement qui est pleural aérique. On n'aura pas le glissement, on n'aura pas ce mode TM, d'accord. On n'aura pas le signe de bord de mer, du bord de mer. Par contre, si on a un emphysème, ce n'est pas pleural, c'est parenchymateux. Donc, on aura le signe de glissement. Bon. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer le glissement. Vous avez, non, là, ça, vous avez vu en mode réel le glissement. Vous avez vu les lignes et tout. L'autre, ça bouge tout doucement. Donc, on va récapituler. Glissement pleural, ligne A et ligne B et le signe de la chauve-souris. Ça, ce sont les objectifs de cette matinée, c'est de connaître tous ces aspects normaux. Par la suite, on va passer de façon voilà, rapide la pathologie qu'on peut voir, quel genre de pathologie qu'on peut voir. Alors, il y a la pathologie paritale, d'accord, le syndrome extra-pleural, quelles sont les indications? Alors, si on a eu lésion thoracique palpable, on fait des biopsies sous guidage échographique, les douleurs thoraciques superficielles pour analyser les côtes, les fissures, on peut les voir. Après un examen TDM, on précise l'envahissement donc parital, la réalisation d'une ponction guidée de la masse paritale. Donc, il y a beaucoup de... Concernant la pathologie pleurale liquidienne, là, on a commencé donc, à faire durant longtemps... Donc, on aura une image liquidienne hypoéchogène, limitée en bas par le diaphragme, limitée en dedans et en haut par la limite pulmonaire, à bord intercostal. Je pense que tout le monde peut faire le diagnostic d'un épanchement donc pleural de grande abondance et même minime au niveau thoracique. On va se placer au niveau des bases, on repère donc le diaphragme pour ne pas le prendre comme un épanchement péritonéal. Et là, on va voir les côtes et on va voir donc l'épanchement. Là, c'est une confrontation entre les résultats échographiques et entre les résultats donc scanographiques. Alors, l'intérêt de l'échographie, c'est de voir l'abondance, guider une éventuelle ponction. La nature, est-ce que c'est échographique? Est-ce que c'est un transsudat, s'il y a des nodules, s'il y a un épaississement donc pleural, et le mode TM, bon, il va nous montrer le signe de la sinusoïde, d'accord. Bon, je ne l'ai pas mis, là on le laisse pour une prochaine séance. Alors pour la pleurésie maligne, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, par contre ce qui est intéressant, et je trouve il est intéressant, c'est le pneumothorax. Pourquoi? Parce qu'on aura un artefact ou des artefacts qui sont engendrés de ceux du poumon normal. Ce sont des signes qui sont importants. Quels sont ces signes? Aboulissement du glissement pleural. On a parlé du glissement pleural. Une fois il y a l'aboulissement, c'est synonyme d'un pneumothorax. Toujours présent, mais il n'est pas spécifique. D'accord, parce qu'on peut avoir une fibrose, d'accord, on peut avoir une disparition. Donc mais bien sûr, lorsqu'on a un contexte traumatique, par exemple chez un patient qui est jeune, il n'y a pas ce signe de glissement lors de la phase écho, d'accord, en admission, ça veut dire que le patient il a un pneumothorax. Le signe de la ligne A, de la ligne pleurale, s'émane que des artefacts horizontaux en ligne A. La détection de la moindre ligne B, ça va éliminer le pneumothorax.
D'accord, ça, on l'a dit donc tout à l'heure. Bon, c'est juste pour vous montrer. Et le troisième signe, c'est le signe de la stratosphère. Regardez ici, où le code-barre. Donc, on n'a plus le signe du bord de mer, d'accord, mais on a donc le signe donc, du code-barre. Ça veut dire qu'il y a de l'air. Et on aura un autre signe, un aspect granité, le fait de passer d'une structure avec un pneumothorax et d'une région où il n'y a pas le pneumothorax, on aura un aspect qui est granité. Bon, là, on a un hydropneumothorax, d'accord, bon, ça ne passe pas correctement, mais c'est tout ce qu'on a vu donc, tout à l'heure. Quelles sont les limites du pneumothorax? C'est l'emphysème parital. Alors, lorsqu'on a de l'emphysème parital, ça gêne, parce qu'on aura d'autres artefacts qui vont gêner les artefacts du pneumothorax. Le pneumothorax postérieur est ou cloisonné, une dyspnée majeure avec tirage, donc ça va gêner l'exploration échographique. Donc regardez ici des nappes gazeuses superficielles d'emphysème parital. On a, bon là c'est d'autres lignes, ce sont les lignes E. D'accord, ce sont des lignes E, ce n'est pas les lignes B, ce sont les lignes E, témoignant de l'emphysème cutané parital, et on n'a plus le signe de la chauve-souris. On n'a plus donc ce signe de la chauve-souris. Alors, le syndrome interstitiel, on aura beaucoup de lignes B en fusée. Donc, regardez ici, là, ça témoigne d'un syndrome interstitiel qui peut rentrer dans le cadre d'un OAP cardiogénique. Voilà. Donc, on peut le voir même dans les BPCO. Et là, il y a beaucoup de finesse sémiologique. On ne va pas détailler aujourd'hui, ce n'est pas le but, pour faire le diagnostic entre les deux. Donc, les applications, comme je vous ai dit, c'est le fait d'avoir les fusées pleurales, ça élimine formellement le pneumothorax et ça va différencier un OAP cardiogénique d'une poussée de BPCO. Les autres pathologies pulmonaires, regardez ici, c'est la consolidation alvéolaire. Regardez ici, là on a une pneumonie, il n'y a plus de chauve-souris. D'accord, ni ligne A, ni ligne B, ni... Donc regardez là, on a une hépatisation du parenchyme pulmonaire. Pourquoi? Parce qu'il est condensé. L'air, il est remplacé par la pneumonie. L'air est remplacé par tout ce qui est donc infectieux. Donc il y a une hépatisation de l'hépatisation du poumon. D'accord, donc on n'a plus cette sémiologie donc normale. Donc l'échographie, elle va préciser, elle est très importante l'échographie dans les pneumonies. Elle va préciser le volume, la localisation selon le lobe, les signes associés pleurésie, abcès, et on va mesurer l'évolution durant le temps. Donc si on a un patient en réanimation, au lieu de le déplacer à chaque fois pour faire un scanner, donc on va faire l'échographie, on va voir l'évolution donc dans le temps de cette hépatisation donc pulmonaire jusqu'à la normalisation. Donc les applications, c'est appuyer le diagnostic de consolidation pulmonaire, quantifier la teinte alvéolaire et son évolution, modifier donc la thérapeutique, fournir une documentation bactériologique fiable par ponction transcutanée. Alors les autres pathologies, vraiment la liste, elle est longue, pour les masses parenchymateuses périphériques, donc on peut faire pas mal de choses, on peut analyser, on peut faire le diagnostic étiologique, on peut faire les ponctions. Regardez ici, là on a une lésion pulmonaire donc périphérique. Regardez ici la traduction en échographie et entre la réalisation de ce scanner où il n'y avait pas l'épanchement, lorsqu'on a convoqué le patient pour faire la biopsie, et là c'est plus intéressant de voir est-ce qu'il y a du liquide, est-ce qu'on peut faire la biopsie, on ne peut pas faire la biopsie. Mais là on a trouvé un épanchement de grande abondance, donc on n'a pas pu faire la biopsie parce que c'est une contre-indication. Je pense que, comme vous avez vu, le but et l'apport de l'échographie, il est trop vaste. Donc, c'est très intéressant d'avoir cette sémiologie donc, de base, dans les atelectasies également, d'accord, dans les abcès donc, pulmonaires. Donc, on va voir. Donc, chaque entité, elle a une sémiologie qui est particulière. Ici, on a une patiente âgée de 43 ans. Qui a un abcès pulmonaire excavé avec un épanchement pleural donc droit. Donc regardez ici cette image qu'on voit très bien en échographie. Donc en conclusion, l'échographie thoracique est un outil d'évaluation et de suivi. Valide, précis et reproductible. Facile à réaliser, peu coûteux, non irradiant, facilement accessible.
beaucoup de potentialités dans le développement et dans les progrès. Et là, on a besoin de s'aligner avec les producteurs et les constructeurs comme ça. Ils vont avoir une idée sur nos attentes, ça c'est très important, et la nécessité d'une formation rigoureuse, avec des objectifs, avec des guidelines et avec des steps. Là, c'était vraiment le step one, level one. Et, inshallah, next time, on va faire tout le temps. Je pense qu'on va passer à la démo rapidement. Oussaid El Kabir, ça va? Comment ça se passe? Démo live rapide avant de te donner la parole. On va applaudir quand même Monsieur Samir qui a fait le démo. Il a le même prénom. Il y a des questions? Il y a des questions, s'il vous plaît? Pas de questions. Ils ont bien appris. Moi, j'ai... C'est à moi de poser les questions. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Lamrim, pour cet exposé très pertinent. Ce qui est intéressant dans cette échographie thoracique, c'est les applications cliniques par rapport à cette échographie. Quand on reçoit un patient en insuffisance respiratoire aiguë, on fait l'échographie. Alors, si c'est un profil B, c'est un OAP. Si c'est un profil AB, ça ne peut être qu'une pneumonie. Mais si c'est un profil, c'est-à-dire avec des lignes A, un glissement pleural, c'est un poumon normal. Cherchez autre chose. Embolie pulmonaire, tamponade, exacerbation de PCO ou asthme. Maintenant, j'ai une petite question. Est-ce qu'on peut, à travers l'échographie, quantifier cet épanchement liquidien ou pleural? La quantification, c'est de façon approximative. Oui, on peut mesurer le volume. Le volume, on peut le mesurer. On peut mesurer, on peut quantifier de façon approximative. Oui, c'est quantifiable. Moi, j'ai une petite question. Oui, docteur Bajin. Nous avons un problème avec les appareils qui sont nouveaux. Oui. Parce qu'il n'y a pas le mot TM là-dessus. Ah bon ? La plupart des appareils n'ont pas de mot TM. Mais c'est les anciens appareils qui sont dotés de TM. Le mot TM. Je pense. Que le mot B, le mot Doppler, le mot d'énergie. Non, là, il y a toujours le mot, à ma connaissance. Je pense. Parce qu'on travaille le mot, pour le mot PM, on travaille, à ma connaissance, pour les ophtalmos, ils travaillent toujours avec le mot TM. C'est vrai, on ne l'utilise pas, mais je pense. Les appareils de haute gamme, peut-être, mais pas les moyens gamme. D'accord. Peut-être que même. Oui. Oui, c'est vrai. Ah, d'accord. C'est-à-dire, vous parlez de quel. Sans faire de. Ah bon? Oui, c'est un problème. D'accord. Mais là, vous avez vu que le mot de TM... Oui, mais il est très utile. Moi aussi, je me suis posé la question, je l'ai dit à Samir hier. C'est hier, aujourd'hui, je lui ai dit, est-ce qu'il y a le mot de... Pour faire la démo, est-ce qu'il y a le mot TM? Il a dit oui, il y a le mot TM. Donc, on commence pour ne est-ce pas... Est-ce y a d'autres questions? De toute façon, on a tout vu, c'est juste pour... Est-ce que vous arrivez à voir sur parce que normalement c'est connecté. Bon, c'est pas la même qualité d'image qu'on est en train de voir sur. C'est 3-5 à 5. Voilà, 3-5 à... On essaye 3-5. Voilà, regardez ici. Les lignes A, d'accord. Vous avez imaginé... l'image à Samy, l'image... Le contraire. Voilà, je suis A. Là, c'est pas grave, vas-y. Non, voilà, c'est ça. Donc, vous avez vu, tu frises. Voilà, c'est juste pour repérer la ligne. Il y a un pointeur, non, pour voir, non. On peut. Voilà. Voilà, c'est ça. Pas grave. Est-ce que vous avez vu la ligne pleurale? Est-ce que vous avez vu la ligne pleurale? D'accord. Mais c'est pas la même chose, hein. Vraiment, c'est la qualité, elle est trop. Ça fait rire. Travailler avec un 3-5. Oui, avec la, là, on est avec la 3-5.
Vous avez vu les lignes A. Il y a même une ligne, voilà. Le délement TM. Je pense que ça sent superficiel. Bord de mer, voilà, c'est bon. Uline, vas-y, tu frises. Uline B, vous avez vu Uline B? Vous avez vu la ligne B? Il y a un problème alors. Non, une ligne, c'est normal. Une, c'est normal. Voilà. Tu as bien appris le cours. Ça élimine un peu nos pneumothorax. Et les lignes A, horizontales. Vous avez vu les... Vas-y. Bon, normalement, dans l'exploration, comme on a dit, voilà, antérieur, postérieur, haut, moyen et bas, latéral, d'accord, et la région antérieure, d'accord. C'est... Le signe, tu frises, la chauve-souris, vous avez vu? Excellent, avec la ligne B, les lignes A, les côtes et la chauve-souris, bad sign. Surtout pour faire facile, on prend la sonde de façon... Longitudinale, oui. Moi, j'aime bien... On prend la sonde de façon verticale. Oui. Pour être sûr que c'est la ligne pleurale, on se lève à la droite, la oui. supérieure, à gauche, la côte inférieure, au milieu, tu as la ligne pleurale. D'accord. Ça s'attend à l'être sur la ligne pleurale. D'accord, ça c'est... Là, on repère, on l'a. Là, c'est bien, c'est bien, c'est des petites astuces. La répartition, nous, c'est trois zones de chaque côté. Trois zones, c'est ça. Six cadres sur le côté, c'est 12 cadres. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est 14. Trois zones, la mienne, c'est la tente, moyenne. C'est ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. Chaque côté, c'est 12 cadres. C'est ça. Oui, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Voilà. Ça fait tu frises. Beaucoup de bad signs ici. Beaucoup de... Bon, le plus important, c'est de repérer le signe de glissement, la ligne pleurale, les lignes A qui sont horizontales et les lignes B. C'est clair, je pense. Voilà. Merci beaucoup. Merci.